Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, CNBC a publié un rapport dans lequel la chaîne mentionne comme quoi Google suit nos achats via le service Gmail. Donc, comment ça? C'est en récupérant les factures le reçues à partir de notre courrier électronique avec un compte Gmail, bien sûr. Donc, Google a récupéré ça. C'est quoi le but? J'en sais pas si pour améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit au niveau de la publicité qui s'affiche à l'intérieur du Gmail lui-même, donc vous avez promotion, il y a toujours des publicités qui s'affichent, ou sinon à des fins de collection d'informations sur l'utilisateur. J'en sais pas, des fois, pas Google, mais j'en sais pas, des fois il y a des compagnies qui récupèrent les informations, ils vont vendre l'information pour des compagnies d'assurance. Donc, j'en sais pas c'est quoi l'idée derrière ça. Mais au niveau d'achat, à mon avis, c'est plus de améliorer ou, ça veut dire, cibler les clients avec des publicités qui sont adaptées à leurs besoins, à mon avis. Mais sinon, donc hier, il y avait une autre page où on avait les achats effectués via Gmail. J'ai pas trouvé tous les achats. Ils ont dit qu'on passait tous les achats, mais j'ai pas trouvé tous les achats. Donc, vous pouvez bien sûr supprimer les achats. Donc, pour y accéder, il faut juste aller sur votre compte Gmail. Et on doit cliquer sur paiement et abonnement. À l'intérieur de paiement et d'abonnement, vous allez trouver achats. C'est là où vous allez trouver tous les achats que vous avez effectués. Si vous voulez comme supprimer un achat de ce tableau-là, il suffit juste de cliquer sur l'achat et on supprime l'achat. Donc au niveau de l'achat, ça vous donne la date de l'achat, ça vous donne la compagnie, le numéro de la commande, toute l'information sur l'achat. Après suppression, reste à savoir est-ce que ce sont vraiment supprimés ou Google garde toujours une trace des achats qu'on fait. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas que Google garde une trace de vos achats, donc voilà la méthode pour supprimer les achats. Comme j'ai dit encore, on ne sait pas si la suppression elle est vraiment définitive ou Google garde toujours une trace. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.